Tu le vois sans musique. Mais normalement, il y a de la musique, il y a du visuel. Là, on voit juste le texte, donc c'est peut-être un petit peu sec, quoi. Marc, tu sais, si t'arrives à vendre ça un peu moins chiant, on peut peut-être vendre ça, ouais. Non, mais un coco. Coco? Tu étais communiste? Bah, ouais, mon con. Des cocos comme toi. T'as essayé ou pas? Non. Non, parce qu'en fait, voilà, le collectif, si tu veux, il reste complètement en dehors de tous les organes classiques. Si tu veux, nous, on s'est spécialisé plutôt dans tout ce qui est les lieux alternatifs. Je te dis, les squats, les usines occupées, les forêts, les dunes. Non, mais attends, mais arrête tes conneries, André. Les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Par la mauvaise. Ok. Mais attends, pourquoi par la mauvaise? Bah parce qu'après, il y a la bonne. Oui. Allez, vas-y. Mais attends, excuse-moi. Et alors? Bah alors, comme ça, on finit sur une note positive. Allez. Mais je suis pas d'accord. Parce que toi, tu préfères finir sur une note négative, peut-être? Non, c'est pas ça. Je préfère commencer sur une note positive, nuance. Vas-y, on voit la bonne. Bon, je peux? Ben, tu peux. Non, mais attends, c'est complètement débile de commencer par une bonne nouvelle quand tu sais pertinemment qu'il y en a une mauvaise juste derrière. Autant se débarrasser de la mauvaise tout de suite. Allez, vas-y. Monsieur, Bérisina n'est pas en état de courir. Ça me paraît tout à fait bien. Déteste qu'on la touche avant une course. Franchement, croyez-moi. Écoute, elle a rien. Alors tu fais ce qu'on lui dit ou je te colle 5 jours de mise à pied, d'accord? Jeannette a fait une grosse dépression. Et du coup, il y a eu des conséquences un peu difficiles. Tu blesses plus? Pas ça. Bon, tu sais, là, elle a eu des périodes euphoriques. Du coup, elle dépensait énormément d'argent, mais vraiment, quoi, des sommes folles. On s'est retrouvé sur la paille, j'ai failli perdre la maison, la banque sur le dos. Ouais, la banque, tu l'emmerdes, mais sinon, tu baisses plus. Arrête. Ah, réponds-moi, c'est pas compliqué. Mais tu sais bien, ça a jamais été mon truc. Attends, ça a jamais été ton truc. Tu baisses plus? Jeannette est dépressive depuis 5 ans. T'en baisses une autre. T'as un problème? T'es impuissant, éjaculateur précoce, t'es pédé, t'es... Ouais, tout ça. Tu baisses pas? Non! Jamais? Non! Mais qu'est-ce que tu fais alors? Rien. Ouais. Ça va pas du tout, quoi, en fait. Doucement. Doucement. Lâche ça! Allez, vas-y. Roger. Capitaine. Mounette ou moulinette? Faites peur, Rogers. Non, c'est un jeu. Vous ne risquez rien. Alors, mounette ou moulinette? Mounette. Gagné! Vous avancez de 3 cases. Vous voyez? Alors, j'ai gagné? Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Du coup, j'ai raison de dire mounette, alors. Eh oui. Mais vous auriez dit moulinette, vous auriez gagné aussi, parce que c'est n'importe quoi. C'est vous qui inventez les règles. Donc quoi que vous fassiez, vous avez raison et machin aura tort. C'est pas mal, ça. Bah oui. On joue si peu tous les trois. Mais c'est quoi les règles, en fait ?